Bonjour, aujourd'hui nous sommes en région parisienne avec la famille Faligan, avec Sandra et Quentin, pour la saison 2 d'Un chef dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va voir ce que vous savez faire depuis que vous êtes équipé sautère. Alors Sandra, qu'est-ce que tu nous prépares devant ? Bien, aujourd'hui, Noémie, je te propose de faire un bœuf au soja. Je coupe la viande en tranches assez épaisses pour pouvoir faire des petits cubes après, de manière à la faire revenir. Je coupe mes oignons, je les émince. Maintenant, je vais mettre ma casserole sur le feu. D'accord. J'appuie sur ce bouton-là pour allumer les deux plaques en même temps. Et ensuite, je règle ma puissance sur 6 pour pouvoir faire revenir ma viande. Je vais la faire dorer, je ne vais pas la faire cuire complètement. Et je vais la réserver. Je fais revenir les oignons. Je remélange avec un petit peu de sauce soja. Je rajoute la viande après. J'enlève ensuite la viande avec les oignons. Okay. Je fais un lit de pousses de soja. D'accord. Au fond de la casserole. Je remets la viande. Je mélange. Et au fur et à mesure de la cuisson, quand le soja commence à perdre un petit peu de son eau, j'en rajoute. Pendant la cuisson, je mets un petit peu de coriandre, un petit peu de persil pour que ça prenne aussi un petit peu de goût. Et le riz, tu le cuis à part ? Le riz, je le cuis à part, c'est l'accompagnement. La petite note pimentée avec la petite purée de piment à côté. La recette de la famille Faligan est maintenant terminée. Retrouvez-moi la prochaine fois pour revisiter la recette du bœuf au soja. Et pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner.